ensemble. Ce matin, je me suis levée tôt, vers 7h30, parce que je dois aller à la CAF. Et puis de toute façon, ma fille s'est réveillée vers 7h30, donc ça tombait plutôt bien. Je dois aller à la CAF, leur demander quelques renseignements. Et puis à 10h30, j'ai un rendez-vous à la banque pour leur demander ce qu'ils peuvent me proposer en termes de contrat d'assurance automobile. Et voilà, après on va rentrer tranquillement. Et ce soir, j'ai un cours à 19h30 uniquement. Et normalement, le chéri devrait rentrer ce soir, j'espère, ça fait longtemps là. Bon, c'est 9h04 pour être précise, je suis sortie de la CAF. J'ai eu les réponses que je voulais, mais c'est pas celles que je voulais entendre. Du coup, il faut que je vois en fait avec John comment faire pour regrouper nos deux comptes. Elle s'excite derrière parce qu'on fait rien. Parce que c'est 9h, j'ai rendez-vous à 10h30, je sais pas quoi faire. Je sais pas si ça vaut le coup de rentrer chez moi pour une demi-heure, je sais pas. J'hésite peut-être à aller faire un tour à un centre commercial, mais centre commercial, eh ben, j'ai qu'une heure devant moi du coup. Parce qu'il faudrait que je parte vers 10h de là-bas. Voilà, vous savez, c'est les moments entre deux où vous savez pas trop quoi faire. Vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous, enfin si vous avez le temps, mais ça sert à rien. Et en même temps, vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Et donc vous savez pas et vous restez une heure dans votre voiture. Mais c'est pas ce que je vais faire. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, mais là je suis donc à Grand Place, c'est un centre commercial à Grenoble. Et en fait il y a plein de missions Mob A. Donc j'en ai déjà réalisé deux, une chez Sephora qui valait 4€ et une dans une parapharmacie qui valait 8€. Et là je me rends au carrefour de ce sport un centre commercial pour réaliser une autre mission. Il me reste 15 minutes et après je vais aller à mon rendez-vous. C'est productif quand même cette heure. Hein. Quand les escalators marchent pas. Bon, c'est 11h30 passée, je viens seulement de rentrer chez moi. J'ai l'impression d'avoir fait une journée complète. Bon, je suis allée à Grand Place, le centre commercial à côté de Grenoble. Et j'ai réalisé 2-3 missions Mob A. Et il y en avait une chez Carrefour qui n'a pas encore été validée. Et je ne sais pas si elle le sera parce qu'en fait, elle était déjà ultra longue. Il fallait que je cherche les promos italiennes, les produits italiens. Et il y avait 2-3 îlots, mais ils n'étaient pas tous au même endroit. Il y avait pizza, les pâtes et les fromages. Et j'ai pas trouvé le rayon fromage. Du coup, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Mais en fait, quand je suis repassée devant après, j'ai vu qu'il y était. Et c'était déjà trop tard. Donc on verra bien. Mais les deux autres ont été validés, ce qui fait que j'ai déjà 15€ de cumulé. C'est déjà bien, hein, franchement, pour une demi-heure, 15€ comme ça. Donc ça, franchement, c'est une appli que je vous recommande vivement. Il y a Mob A et aussi une autre appli que j'ai pas encore testée, mais c'est le même principe. Ensuite, j'étais vraiment en retard pour mon rendez-vous à 10h30. Je suis partie de mon centre commercial à 10h15. Il a fallu que je traverse tout le centre, que je sorte Swan de la Poussette, que j'y aille et tout. Je suis arrivée à 32-33. Et il m'a proposé un bon contrat d'assurance avec de meilleures garanties et je paierai moins cher, surtout que je suis mal usée. Donc c'est bien, je suis contente. Et en plus, il va se renseigner pour voir si je ne peux pas bénéficier du bonus de Jonathan comme on est paxé et qu'on vit ensemble. Il y a une loi apparemment qui pourrait être bénéfique comme ça pour moi. Donc j'attends de ses nouvelles. Et voilà, je suis rentrée, j'ai changé la couche de Swan parce qu'elle avait fait caca la pauvre. Et je l'ai mise à coucher direct, elle a été super sage tout le long. Franchement, c'est un bébé adorable. Et là, il faut que je lui fasse à manger. Que je mange moi aussi parce que j'ai faim. Menu ce midi, un peu de riz avec des oignons et un peu de des morceaux de poulet. Voilà, tranquillement, Swan elle dort encore, je lui ai fait à manger. Bon appétit! J'ai passé une petite commande sur AliExpress et je commence à recevoir des choses. Donc de toute façon, je vous en ferai une vidéo, ça je ne vous le montre pas tout de suite. Mais j'avais envie de vous montrer ça, c'est pas trop mignon. C'est un petit puzzle en bois pour Swan. Voilà, je l'ai sorti. Et elle descend en dessous et tout. Franchement, c'est bien fait. Hein. Hop, il y a encore celui-ci. Voilà, j'en attends d'autres encore, je crois. Et c'est pas mal. Franchement, les petits jouets en bois sur AliExpress, il y en a pas mal et ça a l'air d'être de bonne qualité. Je suis contente. Elle a pas compris le principe. Elle met tout à la bouche. C'est pas grave, tant que ça t'amuse. Et vous voyez toute cette pile derrière là? Qu'est-ce qu'il faut que je trie aujourd'hui? Et vous voyez tous les classeurs là-bas? Il faut que tout rentre là-dedans. Pas plus.
Parce qu'on en garde des choses, mais il faut que je regarde sur internet quel papier on doit encore garder, etc., etc. Je sais que les fiches de paye, c'est toute la vie. Mais il y en a, c'est pas plus de 5 ans. Donc je vais voir ça, je vais trier, je vais faire une grosse poubelle. Et je crois que j'ai encore un classeur de tout ce qui est relevé, compte bancaire, etc. Quelque part. À tes souhaits. Sinon, pendant qu'elle finissait de dormir, je suis allée ranger les photos que j'avais reçues. Et heureusement que j'ai fait imprimer des photos parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre la synchronisation entre mon Mac et mon téléphone, mais j'ai perdu pas mal de photos. Donc je suis dégoûtée, je les ai plus en version numérique, mais heureusement je les ai encore en papier. Franchement, la technologie, les photos, c'est pour ça que je les imprime parce que j'ai toujours peur de les perdre, j'en ai perdu je ne sais pas combien des photos comme ça, donc imprimez-les, ça coûte pas grand-chose. Je viens de retomber sur mes anciens bulletins scolaires. Donc là, j'étais en IUT, deuxième année DUT GEA, option petite et moyenne organisation, je crois. Donc c'était ça. 12,76 de moyenne. Après, là, c'était en licence. Licence option, licence de gestion, management et gestion des entreprises. 13,305. Non, ma fille, gardez-la, elle. Tu reposes. Tu poses. Non. Donc, 13,5. Ensuite, 14,18 sur la même année. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le master management. 13,36. Ça, c'était un diplôme. Mon bac. Non. Mon diplôme universitaire, DUT. Mon bac plus 2, quoi. Tchili. Je crois que c'est écrit quelque part une mention ou quelque chose. Bon, bref, je sais plus. Ah, encore la licence. 12,82. Par contre, j'avais des bonnes notes, hein. Et regardez, semestre 2, j'étais 37e sur 140. Bon, semestre 3, un petit peu moins. Là, GEA 13,41. GEA 13,06. Ça, c'est quoi? GEA encore. Ouf, 10,79. Ah, ça, c'était ma pré-portophoniste. Regardez ma moyenne, j'avais jamais la moyenne. Mais c'était trop dur. Là, 9,33 encore. Ça, c'est mes résultats du bac. Alors, en français, j'ai eu 14, à l'oral 16, 15 en SVT, 12 en histoire géo, 17 en maths, alors que j'étais nulle toute l'année, j'avais pris des cours particuliers. C'est ma mère qui m'avait pris à prendre cette option parce qu'elle était coef 9 du coup. Donc j'avais pas intérêt à me la louper et heureusement, bah du coup j'ai eu 17. Qui l'aurait cru? 9 en sciences éco, alors ça j'étais étonnée et dégoûtée parce que j'étais plutôt forte. 16 en anglais, 14 en espagnol, 8 en philo, bon ça j'ai toujours eu 8 donc ça n'a pas changé. 14 en sport, 12 en TP et 13 en musique et art. Ça c'est mon diplôme. Diplôme du baccalauréat général. Mention assez bien. Parce que j'avais eu. Bah ça me fait combien de moyenne? Ça m'a fait une moyenne de 13,29. À quelques points, j'étais à la mention bien. Hein. Et alors, ça, je suis retombée sur mon livret scolaire. Par contre, c'était le lycée. J'étais pas très bonne. Hein. J'ai regardé. Seconde, 11,5. Élève sérieuse qui travaille, c'est bien, des résultats corrects dans l'ensemble. Poursuivez dans cette voie. Nos encouragements. Et après, ça va moins bien. 10-2, toujours la seconde. Des résultats justes ce trimestre, des efforts qu'il faut poursuivre et accentuer au prochain trimestre. 11-3, ah, ça va mieux. Troisième trimestre, seconde. Des efforts, du sérieux. Et des progrès, des résultats corrects dans l'ensemble. Admis en classe supérieure. Première,
11-3. Des résultats un peu irréguliers malgré du sérieux et de l'implication. Prenez confiance, vous allez progresser. Alors moi, c'était toujours ça, sérieux, sérieux, sérieux. Mais bon, les notes, ça ne suivait pas trop. 11-4, deuxième trimestre. Des résultats assez satisfaisants, mais un peu irréguliers. Travaillez vos mythos. Qu'est-ce qu'il raconte? Descend vers... découragé, mais sans vous décourager. Vous allez y arriver. Ouais, merci. 11-6. Beaucoup de sérieux, des résultats positifs, c'est bien. Et terminal, 10-4. 11-8. 12-2. Mais quelle progression! En progrès tout au long de l'année, les encouragements. Très favorable pour le bac. Bah, heureusement, je l'ai eu. Je l'ai eu avec une meilleure moyenne que tout ce que j'ai fait au lycée. Beaucoup de sérieux. Travail sérieux. Résultats irréguliers. Du sérieux et des efforts. Du sérieux. Bon, on peut retenir que j'ai été une élève très sérieuse. Investissement sérieux. A eu du mal à s'imposer dans le groupe. Ça, c'est tout moi. Je suis timide. Un travail sérieux, travail sérieux, travail très sérieux, du travail sérieux, bon travail, un travail consciencieux, tiens, ça change un petit peu. Le travail a été sérieux et régulier. Bon, bah, en gros, j'étais une élève sérieuse, quoi. Bon, résultat des courses. Ça, c'est tout ce qu'il faut que je jette. Là, de partout. Et bon, il y en a jusque là-bas, parce qu'il y a un petit gnome qui m'a pris les papiers. Et voilà, j'ai tout mis dans des petits classeurs là. Et ça, c'est encore à trier, c'est tout ce qui est la banque. Mais je le ferai un autre jour parce que là, j'en fais plus. Bon, j'ai sorti un peu mon matériel pour faire mon bugeot. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et bon, bah, moi, j'en ai mis de partout. Voilà, ça, c'est mon matériel à moi. Par contre, la petite là, hein, et ben, elle m'a fait un carnage. Regardez-moi ça, elle m'a sorti tout ce qu'il y avait dans son sac allongé. Ah, par contre, ça l'a occupé. Hein. Donc ça, c'est encore des couches de son sac allongé. Elle m'a sorti ce qu'il y avait des trucs de sous la table. Et elle m'a sorti des trucs qu'il y avait dans mon sac, mon matériel de papeterie. Hein, petit souris, ça t'a occupé, hein. Maman doit tout ranger maintenant. Bah. C'est bientôt 7h. C'est 18h47 exactement. Je vais ranger un petit peu tout ça. Oh là là, elle touche les box et tout. Ça y est, ça commence. Tout à l'heure, elle m'a ouvert le premier placard de la cuisine. Il va falloir que j'achète des... vous savez, des trucs qui empêchent l'ouverture des placards. Donc, je disais que je vais ranger un petit peu tout ça. Et puis, j'ai un cours à 7h30 jusqu'à 8h30. J'ai un élève qui vient. Et mine de rien, cette journée m'a bien crevée. Mais j'ai fait plein de choses. Le chéri est rentré, il est parti faire la sieste parce qu'il a conduit toute la nuit, le pauvre. Et puis après, bon bah voilà, la routine du soir, hein, je vais lui donner à manger. On va manger avec John et puis on va se poser tous les deux un petit peu après 4 jours de séparation. Donc je pense que je vais vous couper ici. Et puis on se reprendra peut-être demain, on verra la suite des événements. Je vous embrasse et puis je vous fais de gros gros bisous. Salut !